بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم اما بعد فنكمل في فصل الاستنجاء من كتاب نور الايضاح للشيخ al shurun bulali rahimahullah ta'ala on continue inshaAllah ta'ala dans le chapitre de l'istinja là où nous étions arrivés dans le chapitre de l'istinja du livre nurul idah du sheikh al shurun bulali rahimahullah fayatakalamal'an bimayakunul istinja yani alatu al il parle maintenant de ce par quoi on fait al-istinja alors il cite de, que l'on fait l'istinja. Avec quoi fait-on l'istinja On fait l'istinja avec une pierre, c'est-à-dire, ou toute autre chose, une pierre qui va permettre d'éliminer de, de, la najasa, l'entité de la najasa, euh, qui est adaptée à cela ou ce qui est pareil, c'est-à-dire ce tout ce qui est euh, pur et qui est capable d'ôter la nadjasa. Mais ce qui est mieux, c'est le fait de laver, le fait de laver euh, avec de l'eau, c'est-à-dire comme il va l'expliquer, si on se, si on se euh, satisfait de l'un des deux, si on se contente de l'un des deux, des pierres ou de l'eau, ce qui est le mieux, c'est l'eau. Le mieux, cependant, c'est le fait de tout d'abord nettoyer avec la pierre. Pourquoi Pour éliminer la substance de la Najasa. Euh, le, il a dit d'abord le, le fait de combiner entre l'eau et la pierre. C'est-à-dire que tout d'abord, il utilise la pierre pour éliminer la Najasa. Et ensuite, il utilise l'eau, l'eau qui permet d'enlever en, euh, des traces. Les traces de la najasa c'est-à-dire ce qui n'est pas euh, ce qui ne va être enlevé que par l'eau euh, et qui ne va pas être enlevé par la pierre. C'est-à-dire que des petites traces tolérables euh, que la pierre pourrait laisser ou le papier ou ce qui est pareil, alors euh, ceci part avec l'eau. Donc il les suit tout d'abord avec les pierres, avec le papier. Puis après, il utilise l'eau. Alors, on peut se contenter d'utiliser uniquement les pierres et uniquement, ou bien uniquement l'eau. Et l'istinja, on a vu son jugement, c'est-à-dire dès lors que la najasa ne dépasse pas l'endroit de sortie, son jugement de l'istinja, c'est que c'est sunna. Alors l'istinja elle est réalisée par euh, le fait de nettoyer l'endroit. Par cela on aura effectué donc cette sunna, c'est-à-dire l'istinja. le fait d'utiliser un, un nombre de pierres le fait d'utiliser un nombre de pierres alors ça a le caractère de mandoub recommandé le mandoub est en dessous de la sunna et non pas une sunna muakkada une sunna confirmée il va donc... Euh, C'est-à-dire que si l'endroit le, 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 est devenu propre, même après une seule fois, alors l'Istinja est accompli. Cependant, le fait d'utiliser trois pierres, même si moins que cela suffise, trois pierres ou trois papiers par exemple, même si moins que cela suffise, alors c'est mandoub, c'est recommandé. Même si dès lors que l'endroit le, est devenu propre, même avec moins que cela. En d'autres termes, ça veut dire que si la personne a fait l'istinja avec les pierres ou avec le papier, puis il a nettoyé l'endroit, alors c'est avec une pierre ou un papier, alors c'est recommandé pour lui qu'il ajoute encore deux pierres ou deux papiers, afin qu'il complète cela, qu'il atteigne cette recommandation. Il cite maintenant comment on procède pour faire l'istinja, c'est-à-dire la manière de procéder à cette toilette intime, à cette istinja. Alors, il a énuméré, l'auteur Ashurun plusieurs choses ici, du, du point de vue de la manière. Euh, il a détaillé, il est rentré effectivement un peu en détail. Bien que certains savants dans le Madhab, ils ont plutôt cité que euh, ce qui est voulu est dans, dans la manière d'essuyer, c'est de nettoyer l'endroit. Ça suffit, ils se sont limités à ça sans avoir besoin de dire nécessairement de rentrer dans les détails de comment il doit essuyer. Le cher lui, il a voulu entrer plus dans les détails pour certaines raisons, euh, pour confirmer la manière dont l'endroit est, 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 est devenu propre, et également pour que la personne ne, ne gaspille pas, n'utilise pas trop de pierre ou du papier ou trop d'eau, et non plus que ça ne la fasse pas tomber dans des waswas, euh, -was, dans des. Euh, euh, pensées qui lui viennent à l'esprit qui fait qu'il va exagérer le fait qu'il va faire euh, utiliser beaucoup trop d'eau par exemple et ainsi de suite. Alors on a dit il utilise trois pierres ou trois papiers comment il fait alors il essuie avec cette première pierre dans la, depuis l'avant jusqu'à l'arrière.

donc, il dit en fait qu'il fait de cette manière-là, dès lors qu'il n'a pas ces testicules qui vont, si on veut, gêner, qui sont plus pendantes et qui vont gêner, par exemple, dans ce cas-là, on va procéder d'avant en arrière, dans le cas contraire également la femme elle va euh, de préférence faire de avant en arrière afin de ne pas souiller son organe génital. فقال ثم يغسل اولا يده بالماء ثم يغسل اولا يده بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطني بباطني اصبعين il dit ensuite donc que il commence, c'est-à-dire tout d'abord, là on a expliqué le contexte où lui tout d'abord il va essuyer. Maintenant qu'est-ce qu'il fait Il utilise l'eau, comme on l'a vu dans la manière complète. D'abord il utilise les pierres ou le papier, ensuite il utilise l'eau. Alors il dit maintenant, il lave tout d'abord sa main, c'est-à-dire avant de verser sur son orifice et de frotter, alors il va euh, laver sa main. Il va, par cela, laver sa main. Pourquoi Parce que le fait que la personne lave sa main avant de, de, de verser l'eau et de frotter l'orifice lorsqu'il fait les stingers, les ses, ses doigts vont être, les pores de, de, de la peau vont être remplis d'eau. Ce qui fait que la personne va éviter d'avoir une odeur désagréable, détestable, qui reste sur ses doigts. Puis il frotte l'endroit avec l'eau, avec, euh, euh, avec il frotte bien sûr avec l'eau, euh, avec l'intérieur de, euh, de ses doigts, ou de euh, deux doigts, ou de trois s'il en a besoin. Alors euh, l'homme lui il va surélever élever, euh, son son majeur son majeur par rapport aux autres lorsque il va faire al-istinja' Thumma yusa'idu bin sirahu wa la il va ensuite euh, lever également l'annulaire. Et son majeur, donc, ensemble, euh, l'annulaire. Et il ne va pas se contenter d'un seul doigt. أه لا نعم قال والمرأة يس... أه... تصعد بنصرها وأوسط و... و... وأوسط أس... أصابعها 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 معا ابتداء خشية حصول اللذة. لا فام كومو الفا أل surélever euh, sur donc son annulaire et son majeur. Elle va les élever ensemble. Pourquoi Pour éviter de toucher l'endroit le, qui est euh, au-dessus au milieu qu'elle qu suscite par cela du plaisir. ثم قال ويبالغ il dit ensuite qu'il euh, va euh, laver abondamment l'endroit, le, donc le postérieur, afin de, 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 de faire partir des, des, des odeurs détestables. Et également celui qui, euh, celui qui jeûne, il est préférable qu'il euh, essuie sa partie, ces parties-là. Euh, pourquoi il, pour, pour que lorsqu'il se relève, il n'est pas d'eau qui pourrait, supposons, qui pourrait euh, entrer à l'intérieur. thaniyan <transituté> » Voilà comme on l'a dit donc euh, il a, euh, dès lors qu'il a terminé cela, alors il va euh, laver une deuxième fois sa main. Lorsqu'il aura terminé, il se lave la main une deuxième fois et euh, il va sécher donc, cette partie-là qu'on a citée euh, avant de se relever dès lors qu'il est jeûneur, ce qui est préférable pour lui. même si bien sûr les commentateurs disent que même si cette chose là elle est euh, peu concevable qu'il se que de l'eau retourne à l'intérieur mais c'est ce qui est euh, préférable de faire de, de par cette manière Fumma qal. فصل فيما يجوز به الاستنجاء والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله